Bonjour Carla, donc tu es élève déléguée de CM1. Nous avons vu ce matin donc des PowerPoints avec plein d'informations sur la Roumanie. Donc ce que j'aimerais bien savoir, et avec toi et avec les élèves, les autres élèves délégués des classes, c'est qu'est-ce que tu as retenu de nouveau ce matin? Quelles sont tes impressions? Ceux qui allaient à l'école ne sont pas du tout comme nous. Ils n'ont pas beaucoup d'électricité. Ils ont presque pas d'eau. Ils sont obligés d'y aller dans un puits. Dans un puits, c'est ça qui va faire un tour sur la... Bon, et toi, Mathis? Les maîtresses arrivaient et les élèves les recevaient avec du pain et du sel. Bon, alors et toi Mathieu? Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce que tu as vu ce matin et entendu? Bon, dans le pays de Roumanie... Tu penses qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de transport? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu as pensé qu'il n'y avait pas comme moyen de transport? Qu'est-ce que tu as vu comme moyen de transport? Des vélos. Oui. Des voitures. Oui. Des charrettes. Oui. Des avions. Oui. Et alors, pourquoi tu penses qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de transport? Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Des hélicoptères. Bah, parce qu'il n'y a pas d'hélicoptère. Ah, elle n'a pas parlé d'hélicoptères, mais moi je pense qu'il y a des hélicoptères quand même. Hein, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Par contre, ce qu'on n'a pas vu beaucoup, vous avez remarqué les autres? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu beaucoup? Ici, mes élèves. Oui, alors et toi, Garance, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'on a appris une chanson. D'accord, oui, c'était une chanson. Alors toi, tu es une nouvelle élève et tu ne connaissais pas cette chanson. Hein, tu vas l'apprendre avec ta maîtresse dans ta classe cette année. Hein. Est-ce qu'elle t'a plu, cette chanson? Bon, alors et toi, Enzo? Au début, on avait fait des jeux où il y avait des questions. Après, on avait des autres questions, il fallait répondre. Un quiz, oui, c'était un quiz, on appelle ça, c'est rigolo les quiz. Hein. On avait vu des vidéos et on avait vu qu'ils chantaient et qu'ils dansaient. Alors, et toi, Ameline? Les élèves qui apprenaient à lire, bah, ils n'avaient pas les mêmes costumes, ils avaient des costumes avec des chemises. Oui, ils avaient une sorte d'uniforme, effectivement, dans certaines écoles. Hein. Et qu'est-ce que tu as remarqué qu'ils avaient tous, en fait, les garçons et les filles? Et les autres ont peut-être remarqué aussi. Des bacs pour savoir dans laquelle classe qu'ils sont. Ils avaient des badges et puis ils avaient tous quoi? Ils avaient quelque chose de commun, les garçons et les filles. Ils avaient une cravate et un... L'argent n'était pas pareil et qui... L'argent, la monnaie, c'est ça que tu veux dire? Oui, on a vu qu'ils n'étaient pas encore passés à l'euro. C'est vrai que c'est très important, oui. Ils espèrent qu'ils vont passer à l'euro en 2015. Hein? Ce n'est pas encore fait, mais ils pensent que ça va se faire. D'accord? C'est ça que tu as retenu. D'accord. J'ai retenu que tous les enfants donnaient du pain avec du sel à ceux qui venaient d'autres pays. Pour les accueillir, oui, c'est une tradition. Hein? Bon, on ne sait pas, on n'a pas par contre su... La signification exacte de ça, ce serait peut-être à rechercher, hein, mais c'est quelque chose qui se fait. D'accord. Et toi, Pierre, qu'as-tu retenu? Qu'en Roumanie, il y a beaucoup de charrettes et que dans les champs de maïs, on les cueille à la main et qu'on les épluche aussi. Alors toi, Andrea, qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce que tu as retenu de ces informations sur la Roumanie? On a su plein de choses sur la Roumanie, qu'il n'y avait pas d'eau potable là-bas, que...
C'était l'eau courante, je pense que tu veux dire. Oui, hein, l'eau courante, parce que l'eau est potable, et elle est potable où, Andrea? Il faut aller chercher dans la pluie. Voilà. On a vu des personnes en train de chercher du maïs. Parce que c'était l'époque de la récolte, hein, donc on a vu que c'était une culture importante. Et toi, Jeanne, oui. Assassiné Lisande. Pendant son sommeil, déjà enfoncé à moitié dans le sang, achève de t'y plonger et tue Mauricie. Le soleil n'est pas aussi fidèle au jour que Lisande était pour moi. Aurait-il jamais abandonné son ami endormi? Je croirais plutôt qu'on peut percer d'outre en outre le globe tout entier de la Terre et que la Lune peut descendre à travers son centre et aller à midi aux antipodes déranger son frère. Il faut que tu l'aies assassiné. Tu as le regard d'un meurtrier, un visage cadavéreux farouche. Plutôt l'air d'un homme assassiné, le cœur percé par votre cruelle sérénité, et cependant, vous qui me tuez, restez aussi radieuse, aussi pure que Vénus dans sa sphère. Qu'importe à mon cher Lisandre, où est-il? Ah, bon Démétrius, veux-tu me le rendre? J'aimerais mieux donner son cadavre, mais il est... Loin de moi, chien, tu me fais passer les bornes de la patience d'une jeune fille. Tu l'as donc tué, soit pour jamais rayer du nombre des humains. Oh, dis-moi, une fois, une seule fois la vérité par pitié pour moi. Aurais-tu osé le regarder éveillé? Et l'as-tu tué pendant qu'il dormait? Oh, le brave exploit! Un reptile, une vipère, on pouvait faire autant. C'est une vipère qu'on peut accuser. Car jamais serpent que tu es, une vipère n'a blessé avec un dard plus perfide que ta langue. Vous épuisez les emportements de votre colère sérénue. Je ne suis point coupable du sang de Lisande. Et si je puis ça, il n'est pas mort. Je vous en conjure, alors dites-moi qu'il se porte bien. Si je pouvais vous assurer que gagnant elle. Le privilège de ne plus jamais me revoir, et je fus un instant ta présence abhorrée, ne me recherche plus qu'il soit mort ou vivant. Il est inutile de voir la cible dans cette...